simple question de choix. Histoire et faits de la Bible, utile pour nous aujourd'hui. Une méditation quotidienne de Rinde Bruinsma. Aux éditions Vie et Santé. Bonne écoute. Poursuivons notre plan de lecture avec les chapitres 31 et 32 du livre des Nombres. Les fils de Gad et les fils de Ruben dirent à Moïse, « Nous sommes tes serviteurs, mon Seigneur, nous ferons tout ce que tu ordonnes. Nos femmes et toutes nos familles, nos troupeaux et toutes nos bêtes resteront dans les villes de Galaad. Nous tous, nous prendrons les armes devant le Seigneur pour le combat, comme tu l'as dit. » Nombres, chapitre 32, versets 25 à 27. Après les combats contre les Madianites racontés en Nombres, chapitre 31, Israël se rapproche à nouveau de son objectif, l'entrée dans la terre promise et la prise de possession du pays. Il va falloir traverser rapidement le Jourdain. Une partie du peuple, les tribus de Gad et de Ruben, ainsi que la moitié de la tribu de Manassé, souhaitent s'installer à l'endroit où elles se trouvent, à l'est du Jourdain, en Transjordanie. Cette requête est accordée, mais à une condition bien précise. Les hommes armés devront toutefois traverser le Jourdain pour aider leurs frères dans la lutte qu'il faudra encore livrer contre les habitants de cette région. Lorsque cette mission sera achevée, ils pourront alors retrouver leurs femmes et leurs troupeaux qui avaient pu s'établir en Transjordanie. Les hommes de Gad, de Ruben et de Manassé devaient être solidaires des autres tribus, même s'ils avaient déjà atteint leur propre but. La solidarité est un thème que nous rencontrons sous différentes formes dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas seuls au monde. Des hommes vivent autour de nous. Et même si nous mettons nos affaires en ordre, nous ne pouvons oublier nos obligations envers ceux qui nous entourent. Nous constatons dans notre société à quel point il devient difficile d'être solidaire envers d'importants groupes de population. Souvent, on entend la question « Pourquoi devrions-nous donner autant d'argent pour ?» Il suffit d'ajouter, après le « pour », les différents groupes ethniques ou les diverses tranches d'âge. L'intérêt personnel compte plus pour beaucoup de gens que l'intérêt général. Ce que nous pouvons vérifier au sein de la société en général, nous le vérifions également au cœur des cellules les plus petites auxquelles nous appartenons, et cela même dans l'Église et à l'intérieur du cercle d'amis et de la famille. Il ne peut en être ainsi. Soyons plus reconnaissants, même si nous sommes arrivés, mais demandons toujours si d'autres ont encore besoin de notre soutien. Si je parlais le plus parfait langage, si même un ange me prêtait le sien, que me vaudrait. Seigneur, donne-moi la force intérieure qui me rendra solidaire de ceux qui ne sont pas encore parvenus à leur terre promise. Amen. L'amour, je ne suis rien. À bientôt, cher ami. Simple question de choix de Rinde Bruinsma. Aux éditions Vie et Santé.